Aujourd'hui, toute l'Europe a décidé de vous emmener à la 17e édition des Solidays. Alors vous le savez, les Solidays, c'est un festival aux portes de Paris qui accueille pendant 3 jours des personnalités très connues. Mais surtout, les Solidays, c'est l'événement de l'année pour sensibiliser le public aux ravages du sida. Alors ici, on parle sexualité et prévention sur un ton ludique et décalé et dans une ambiance très festive. Et si nous sommes ici cette année, c'est parce que les Solidays sont aussi l'occasion de parler d'Europe. Allez, venez, on va faire un petit tour. Nous voici devant le stand de l'année européenne du développement. Nous sommes là aujourd'hui pour rencontrer les festivaliers avec plusieurs structures de la société civile pour expliquer au public, aux jeunes surtout, ce qui est cette année européenne pour le développement. Nous, sur Solidays, nous focalisons sur 5 grandes thématiques qui sont la santé, l'égalité, le climat, sécurité alimentaire et éducation. C'est très important pour nous de venir ici, de représenter ACTED, mais aussi de sensibiliser les gens sur l'Union européenne, sur l'aide au développement qu'apporte l'Union européenne, parce que sans ça, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait pour répondre aux besoins des gens dans le monde. Il y a notamment cet objectif de combattre les VIH, le sida, comme le paludisme notamment. Donc justement, on valorise cette bataille ici parmi les festivaliers sur place. C'est participer aux petites activités, répondre aux questions sur l'engagement de l'Union européenne dans le développement. Et voilà, c'est simple, c'est ludique et ça occupe un week-end entre les concerts. Comme vous avez pu le voir, l'aide au développement est un thème majeur de cette année et il reste encore beaucoup de travail pour sensibiliser le grand public à cette question. Et nous espérons que les associations présentes sur ce stand y parviendront. Et pour ma part, je vais partir aller voir quelques concerts.